Tous les paysages qu'il y a dans cette exposition, ces paysages notre région, ces paysages qu'il y a aux côtés de nous toujours. Tous les paysages dans cette exposition aux côtés Besançon, peut-être 30-40 km maximum, mais quelques, peut-être 5-6 paysages à Bretagne. Parce que j'ai voyagé à Bretagne, faire exposition, travail à bord mer. Dans l'atelier, mon ami propose atelier pour travailler là-bas. Parce que dans notre pays, pas de mer. C'est pour moi, c'est très intéressant. C'était la première fois. C'est la première fois que je travaille avec paysage marine. Et nous, on a bien de la chance. Parce que c'est un travail tout à fait différent de ce qu'on a l'habitude de voir et ça fait du bien de changer de temps en temps. Donc on vous remercie d'avoir proposé votre candidature et on a eu plaisir à l'accepter. Si votre salle, votre galerie, c'est très très bien pour moi parce qu'il y a beaucoup de place. Beaucoup mur blanc, c'est lumière très très bien, je suis très content. Je sais que quand il est arrivé dans la Bourgogne-Franche-Comté, puisque maintenant c'est une grande région, il a été surpris par le fait que la végétation est très différente, en particulier les arbres. Et donc il a travaillé, planché, pour bien comprendre la différence. Et je trouve que c'est bien restitué. C'est un travail délicat, très fin, et je reconnais bien les forêts aux alentours de Besançon, puisque je connais la région je crois. Vladimir, on l'a rencontré, c'est un de mes collègues, qui l'a rencontré par hasard chez un peintre-sculpteur, il s'appelle Gustave Lafont, à Ornans.
Donc, si vous voulez rencontrer Vladimir, je vous invite à aller le rencontrer dans l'atelier. C'est quelque chose d'assez exceptionnel de le voir travailler. Les personnes qui fréquentent l'atelier profitent bien sûr de ses capacités, ses dons. Et je vois aussi quelque chose d'assez intéressant à voir, c'est la manière dont ils travaillent. Ils travaillent à l'ancienne, c'est-à-dire avec la baguette, comme faisaient les anciens. Et je vois aussi qu'ils fabriquent les pinceaux. Hein, il exposait à Moscou, il exposait en Finlande, en Allemagne. Je vais oublier. Et là, il maintenant, nous, maintenant, nous sommes ici. Oui. Mais c'est quand même une félicitation.